certainement une roche qui était tirée sur le papier. C'était la journée du mercredi. Il y a un peu de roche qui voyait, il y a un peu d'incitation pour bouler le paquet, pour faire violence dans la ville. C'est suite à une décision de justice que le tribunal de paix a fait exécuter. Dans l'exécution, ça à côté que nous avons fait juge la menace, côté que nous avons tiré au juge de paix avec la police. Le juge de paix a informé moi-même. Moi, je descends à prêter la main forte. Évidemment, moi, j'ai une situation. J'ai une foule immense qui a mis des proches, bâtons, qui sont prêts pour faire n'importe quoi. Certainement, nous avons la police instruction avec l'équipe sécurité BAM pour faire tout ça devant de nous pour bien protéger ce juge-là. Pour faire travail de l'affaire et certainement dans l'ordonnance à dire ordonner la position civile sur l'espace et c'est clair bon après la position celui-là donc moi je vais mettre le juge dans la machine moins je vais mettre le côté moins de mettre les regagner des mêlés paisiblement sur haute sécurité mais ça va traiter là côté que bande de voyous avec notre tête yo, qui c'est Price Kader alias Big qui c'est propriétaire espace ça yo t'est tombé tiré roche tout boy et pas bord sur paquet il a vinn boule paquet il va boule commissariat côté que yo t'est prendre une machine avec gros speaker en l'air li vinn faire brigandage vinn faire incitation à la violence. Donc nous-mêmes, nous devons faire le nécessaire, côté que les voyous sont dispersés avec gaz lacrymogène. Par la suite, côté voyous sont tirés au là, sur tous les côtés dans la ville là, ils ont été bloqués plusieurs rues dans la ville là, route nationale là. Nous-mêmes, équipe moins avec la police, par intelligence, nous devons arrêter. Price Kadesa qui c'est Yun Namoun qui c'est chef brigand donc nous c'était arrêté côté mon yo t'a fait pression pour venir prendre mon ça dans garde du parquet moi me dit pour prendre la descente ça pas faire nous devons responsabilité nous l'en a metté dans garde du commissariat c'était même situation qu'a tenté produit. Côté mon yo, yo te massé de temps en temps pour une plus pour faire pression sur le commissariat. Donc nous-mêmes, nous te prenons responsabilité, nous te rétablissons la circulation immédiatement après. Côté que même monsieur ça tout de suite, nous te pouvons transférer au CAI pour nous être capables de contrôler la situation. Jean-Carol là. Après, mais c'est ça, on peut transférer au CAI. Situation, nous devons être sous contrôle de la police avec le parquet. Donc, on est capable de voir situation paisible. Tout le bagage a fonctionné dans la ville là, parce que nous, dans ça, nous sommes hors d'état de nuit. Et vous devez voir sous le parquet, nous ne pouvons pas vite, nous ne pouvons pas endommager dans le parquet Côte-Oua. Donc jusqu'à présent nous pas gain bagage ça qui rivé et nous voyons au sous tribunal nous voyons au parquet donc nous pas gain vite qui cassé et policiers nous prend cours donc c'est une situation regrettable en fait j'ai nous dit là j'ai un peu le monde dans la communauté qui pas connu gagner et dans société Côte-Oua bon nous pas connu ça passé. Ouais, c'est ça qui est comme réaction, comme comportement. Alors c'est bien nous qui avons une vidéo qui a circulé comme. Thank you.
La société est régulée par la loi. Donc même si l'on estime que soit commissaire ou bien une autorité de faire un bagage arbitrairement, bien la loi, la, c'est la loi pour régler ça. On ne peut pas régler un acte arbitraire par un autre acte arbitraire. Donc, le commissaire là, il n'est pas au-dessus de la loi. Il n'a pas fait action contre le commissaire là-bas devant le tribunal correctionnel parce qu'il a posé un acte arbitraire. Et Mounsa a estimé qu'il a arrêté illégal là ou bien par arbitraire commissaire là, ou qu'il a allé devant le juge de la liberté pour aller analyser ça. Mais si vous êtes comme ça, c'est juste du bien d'être fait. Là, nous-mêmes, nous sommes obligés de prendre responsabilité, nous-mêmes, pour nous ramener la société au calme. Jean nous a toujours opté pour ça. Jean, la société a lui-même tout opté pour ça. Commissaire Azor, bon message pour tout le monde qui t'attend, tu viens faire des ordres dans la juridiction par là. Il va faire ça et. Il n'y a pas de monde qui a fait des ordres. Même les gens qui ont fait des ordres, dans le coin, ils ont fait des ordres. Même si le temps tel qu'on est que ça capte après, ils connaissent sans doute la bien pour répondre devant la justice de des ordres différents. C'est ça que nous-mêmes, nous toujours disons, n'importe qui qui a envie de faire des ordres là, demandez au ministère là pour décider, demandez au ministère pour retirer Azor. Matin il fait des ordres à midi. Si on va faire des ordres à midi ou à retirer à son matin, on va faire un coup. Non, nous ne pouvons jamais lager la circonscription. La juridiction est vagabond, elle est malandre. Tout le monde qui l'a dans la vie en paix, tout le monde qui l'a dans la marche dans l'ordre. Ça, c'est ça nous avons comme garantie. Tout le monde la journée pour la nuit, ou doit en mesure pour marcher là-dedans. Pas de vagabond qui a terrorisé nous là. Donc la loi n'a pas appliqué là-dedans. Toute société pour le marché, c'est l'État qui vous faut là-dedans. Donc tout ça nous fait au nom de l'État et avec la loi en main. D'accord, merci. Okay.